et je dois amener cette épaule vers moi. Là, je ne peux pas encore. Et vous savez qu'on ne peut pas déplacer une montagne. Donc, on va à la montagne. Donc là, je vais aller à la montagne. Voilà. Et je vais amener mon corps dans l'axe de ma main. Ou la main dans l'axe de mon corps. Maintenant, je peux arrondir mon bras. Et maintenant, c'est mon corps qui va tirer pour entraîner. Donc, il n'y a plus d'effort physique. Ce n'est pas l'effort physique. C'est simplement le changement de position. Et j'amène mon partenaire. Vous résistez, hein. Voilà, j'amène. Quand il est devant moi, surtout, je fais attention, je ne libère pas. Donc, je vais vers lui. Je garde cette position. J'ai abaissé mon centre de gravité. J'ai calé ma respiration pour bloquer mon abdomen. Chut. Mais malgré tout, le haut respire et le bas est solidaire. Le diaphragme est descendu, hop, et on bloque la scapulaire et le pélien. Et on y va. On tourne. Contrôle. Riposte. Je ne dépasse pas, hein. Ça serait pas bon. Hein. Coup de tête. Donc on reste sur lui, on contrôle. On renvoie. Et on change de côté et c'est à vous. Merci. Si je dois pivoter, c'est avec le bassin. À chaque fois, c'est le bassin qui entraîne, mais absolument pas le bras. Le bras se positionne, j'amène. Le positionnement est plus subtil. Tout à l'heure, j'ai fait un peu grand. C'est plus subtil, c'est ça. Là, je suis dans l'axe. Maintenant, je peux facilement développer la rotation. Ensuite, ne pas tourner trop tôt, parce que ça va dégager. Si on dégage, bon, il va me lâcher, on va le perdre. Et ce n'est pas notre objectif. Notre objectif, c'est de garder le lien constamment avec le partenaire, qu'il n'y ait pas de rupture. Donc je l'amène et je vais l'amener devant moi. Quand ça commence à relâcher un petit peu, à ce moment-là, on va commencer à reprendre. Je suis dans l'axe de mon corps, il n'y a pas de problème, je peux saisir. Et c'est les deux mains ensemble. Donc je contrôle sa saisie sur moi pour pas que ça lâche. Je fais ma rotation. Là, on regarde pratiquement tous les deux dans la même direction. Et le retour, c'est comme avec un coup de fouet. C'est juste pour la forme, c'est pas pour le détruire. Il n'y a pas de coup pour l'assommer. Mais c'est pour garder le contrôle, savoir qu'on a une attitude solide, qu'on est capable de faire. Si on est capable de le faire, ce n'est pas la peine de le faire. On sait qu'on peut le faire. En fait, c'est le corps qui sait qu'il peut le faire. On contrôle, on le repousse un petit peu, on change de côté. Alors, il va falloir jouer avec la respiration. Et lorsque l'on va expulser l'air, on va amener les deux bras vers l'avant. Comme ça. Quand les bras viennent vers l'avant, la base change également. C'est-à-dire, je vais reculer. Mais je recule. Je recule un des pieds sur l'arrière. Voilà. Maintenant, pour lui saisir, il ne tient plus. Ça, il n'y a plus l'écrasement. Mais il y a toujours les bras. Donc les bras, c'est un danger vers le cou. Donc il va falloir contrôler ses bras. Donc il y a ainsi plusieurs temps qui deviennent un seul. Un, inspiration. Deux, abaisser. En reculant la jambe et en plaçant la main. Et là, continuer à rejeter vers l'arrière pour le déséquilibre. Afin de tourner sur lui. Rotation et atténuer. Puisque les théodosies se terminent toujours par un atténuer. C'est une première forme utilitaire. Donc il saisit, voilà, j'inspire, j'amène les bras. Et je place ma main un petit peu en arrière pour la rotation autour de lui. Je contrôle constamment le partenaire, on peut descendre dessus. Voilà, on va voir si c'est réalisable par tout le monde. On va prendre un garçon qui avait l'air costaud. Tenez monsieur. Vachemoun. Je trouve que ça n'avait pas été méchant, mais ça n'avait pas assez fort. C'est le plus fort. Parce que là, voilà, c'est ça. Parce que là, il y avait un vide qui ne me plaisait pas à ce moment. La respiration en même temps. Le pied et la respiration. Tu vois, quand on s'est levé, il faut que le bassin décale. On y va. Ouais. Ensuite. Là, c'est mieux. On sent. Hein. On y va pour la saisie arrière. C'est Ushiro ou Wate. C'est parti. Je suis coincé. Ça n'a pas l'air de marcher très bien. Il est très costaud. C'est qu'il y a un défaut. C'est qu'il y a un défaut. Il y a un défaut. Hop, après. Il n'y a pas encore le passage. Ah, il n'y a pas le passage. Il faut aller au passage. Ouais. C'est
si on prend là, là il ne peut plus faire la même chose. Là, c'est quand il se penche en avant, en tournant les épaules, jusqu'à ce qu'il y ait un bras. Non, non, mais c'est comme ça. L'autre en se penchant en avant, et puis en faisant sortir, soit en sortant les deux bras vers le bas, c'est-à-dire soit à partir de là, sortir le bras par le haut, et si on arrive à suffisamment à descendre, c'est le contraire parce que pas en avant, pas en avant, pas en avant, continue en arrière. Ah oui, j'ai oublié. Voilà, là c'est. Voilà, là il va pouvoir passer. Alors maintenant c'est ici où il y a un danger. Voilà, il faut que cette main passe en même temps. Voilà, la main passe. Voilà, c'est ça. Non, non, tu peux. Vas-y, vas-y, quoi, ça me dérange pas. Ah bon, la tête. On a rien. Là, vous passez en avant. Là. Ici. Et là, vous poussez sur moi, sinon je vous emmène. Vous voyez, voilà. Pour tourner autour, il faut arriver à tourner sur mon arrière. Voilà. Poussez. Voilà. Passez là. Non, oui, c'est pas par ici. Repoussez-moi par là. Tournez dans le sens. Continuez, continuez. Oui, voilà, pour être derrière. C'est ça. Quand je fais le fait, pour sentir, quand je fais ça, hop. C'est bon ? C'est ça ou pas ? Mais toi, on regarde derrière moi en contrôle. Voilà. Bien, on va arrêter, ouais. Si j'ai choisi d'être saisi par l'arrière, je m'offre à la saisie et il va me saisir. Sinon, on ne doit pas se laisser surprendre. Si on se laisse surprendre, c'est qu'on a commis une faute d'attention quelque part. La saisie en elle-même, là, c'est irritimé. C'est-à-dire que la saisie, c'est un étranglement. C'est le choix un peu de tout le monde. Ça va être de sortir d'étranglement. Alors on va choisir la solution contraire. Là, il va essayer de sortir de l'enveloppe. Et à ce moment-là, l'air commence à repasser ici. Le trou s'est formé et l'étranglement devient secondaire. Il peut contrôler. C'est ça. Mais je ne vais pas blesser. Hein. Tu veux donc suivre cette main. Le corps, la rotation de bassin fait l'ouverture. Voilà. Après, ça. Et donc, voilà, c'est pas grave. Je ne vais pas parler longtemps. Ah, c'est ça. Là, mon premier geste, c'est un, ça, casse sa force. Le second, maintenant, c'est pivoter le bassin pour attirer le coude, la main dans l'axe de mon corps. Je m'occupe plus de ça. Je peux travailler dessus, hein. Mais, moi, avec les nets, c'est pas pratique. Alors, je choisis l'autre côté. Et je vais sortir, là. Tout comme de là, j'ai le choix de sortir. Je vais sortir droite ou gauche. Mais comme on veut une suite un peu complexe, au départ, on va sortir sous ce bras. Et le corps est toujours fléchi sur l'avant, hein, pas à l'extension. Pour passer, pour sortir sur son arrière. Et un contrôle, c'est Zanshin. Ça, Zanshin, il est permanent. C'est parti. Merci. De là, on peut pivoter, bouger, et on est quelque chose qui est solide, qui est mobile. On va faire des translations latérales. Si je dois reculer, je vais reculer la jambe. Mais il ne faut pas que ça se disperse. Mon premier geste, c'est véritablement ça. Ce geste le pousse en arrière. J'ai un appui contre lui, donc je vais reculer un temps. Mais je reste droit, comme ceci. Ce qui fait que quand je pivote, ça recasse l'ensemble et l'ouverture est directe devant. Soit pour aller vers là, soit pour aller dans le sens. Et là, je vais pivoter, ça passe au-dessus de moi, mais mon corps est toujours fléchi dans ce sens. Et quand je vais venir contrôler son coude, je passe sur son arrière pour l'atténuer. Et je contrôle ce coude. Ça, ce serait pas bien que je contrôle pas le coude. Je n'empêche pas son corps de revenir. Je contrôle son coude. On a contrôlé le coude, on appuie pour bien le saisir et on le reprend. Et après, c'est à lui. Donc, il n'y a pas de différence entre un coup de poing et un coup de couteau. On va avoir la même sensation de travail. Mais par contre, si on prend le coup de poing, bon, on s'en sort. Le coup de couteau, ça peut être différent. Il y a une autre appréhension de la chose. On va voir le coup de poing. Voilà, moi je fais ça. Là, c'est chez moi. Là, c'est chez lui. Mais je peux rentrer chez lui facilement. Donc ça, c'est ma. Ici, on est loin l'un de l'autre. C'est trop loin. Et si on est comme ça, c'est trop près. Là, c'est chikama, c'est les saisies fermes. Donc ma, c'est ça. De là, on se met en garde. Toc, on a la bonne distance. Il fait une attaque en skichudan. Le nagashi, déjà ça, ça permet de... C'est tangentiel, mais c'est pas dangereux, le coup en lui-même. Donc, de là, on fait ça, il attaque ici, souvent, tout ce qu'il vaut. De l'autre côté. Donc, on se préoccupe pas. On ne ferait pas ça. On pourrait le faire. On ne le fait pas. Ce n'est pas notre objectif. Nous, c'est... On va laisser ce temps, on va faire sûr qu'on dégage. Le front de son mouvement, je ne vais pas saisir avant. Alors, il attaque. Je ne fais pas. C'est pas possible. Le premier danger, il est dans son attaque. Il est là. Mais lui, il est toujours face à moi. Il est contrôlé.
Donc, vous faites ceci, simplement, 1, 2, et sans peu de déplacement. Voilà. Et à chaque fois, je ne saisis pas, qu'après. Un peu la distance, donc là, faire mal. Mais distance, c'est un mât proche, et il ne faut pas se déplacer, sinon il suit. Alors, c'est facile, voilà, vous tournez la tête par là. Vous pivotez un peu le bassin, vous essayez de tourner par là. Voilà. Et vous partez un petit poulet là. Mais celle-là ne doit pas passer, elle reste là, elle soit comme une roue. Vous êtes de nouveau, vous roulez. Allez, roulez. Si à l'arrêt, il n'y a que la force. S'il y a le corps en même temps, quand le corps pousse derrière, il y a la masse du corps qui vient s'ajouter à la masse du poing sur lequel seulement touche une petite partie du poing, le choc est important à chaque fois. Et comme je pars de garde, de là, le coup de poing va partir sans armer. Ce qui fait que c'est relativement assez court. Il n'y a pas de prévention, ça ne prévient pas. C'est direct, on est en garde, il attaque. Et moi-même, je suis en position pour riposter, je ne fais rien. Le coup arrive. Je peux rentrer sur lui. Il est contrôlé à chaque fois, suffisamment près. Voilà. Donc c'est l'exercice pour le travail du Taisabaki qui s'appelle Nagashi. Là, Nagashi, c'est Nagaru, c'est le courant. Il y a une feuille, l'eau elle passe autour et puis sans la basculer. C'est la même chose, on est ici par exemple. Voilà, Nagashi, il attaque, c'est tangentiel, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Et quand je reprends mon axe, c'est lui qui est déséquilibré. Maintenant, je peux faire illimi. Ah, c'est ce que je faisais après, je suis plus loin. Plus loin, illimi, quand il va attaquer, j'ai le temps de me déplacer, de rentrer. Et puis de canaliser sa main, c'est sûr. Voilà. Et c'est illimi, mais on ne va pas plus loin. Donc, Shikama, Nagashi, illimi, je suis plus loin. Donc, je vais sur lui pour le contrôler. Je le fais passer. Et je serre. À partir de là, mon corps part sur l'arrière. Mon corps part sur l'arrière et là. Et on part en arrière. On se fait déséquilibrer et là. On va arriver à faire un soutenu comme ça. Non, encore debout là. Encore debout. Et c'est dans le retrait de celle-là qu'on balaye la. Donc, recule la jambe gauche et maintenant en percute en reculant la droite. Voilà, c'est ça. Le Uchimata il est là, sinon c'est pas Uchimata, c'est seulement un Maek Otoshi. Généraux là, c'est dans le prolongement. De là, par rapport à son attaque. Allez, ici. Ah, faut carrément faire un demi-tour. Et de là. Allez, vas-y. Quand l'attaque arrive, c'est l'entrée. Mais à ce moment-là, quand on a par rapport à l'attaque, viens ici, et ensuite. C'est cette notion, on croise sa ligne d'attaque. Puisque son bras est à portée, on le saisit, simplement. Mais après, bien sûr, et puisque si on va sur le sotemi, sa cinétique de son cou est là, elle avance, donc j'en profite pour l'emmener avec moi, la tourner, jusqu'à la chute. C'est l'affaire
systémie vient après, en définitive. Mais c'est tout le déplacement sur la notion cinétique initiale qui vient de sa part, c'est la canalisation jusqu'à la renversement. Lorsque mon partenaire a attaqué, je suis venu parallèle par rapport à lui. On est ensemble. On va rentrer tout de suite. Donc il est dans le même sens que lui, à chaque pas. Sauf que là, après je vais renverser. Mais je ne suis plus sur le même plan. Hein. Le plan de Soutemi, il y en a plein, hein. Mais celui qu'on a choisi, il est là. Le plan du Teotihuacan, on est ensemble dessus. C'est de là. Hein. Pensez, pour les messieurs, à apprendre à les remonter.